sur War Thunder pour un nouveau concept de vidéo qui va consister en la présentation d'un appareil en particulier. Et on inaugure aujourd'hui avec un modèle français, un avion premium, le D521. Regardez-moi cette magnifique bête sur toutes ses coutures avec son petit camouflage tacheté, grisé et les cocardes françaises ici et là sur les ailes et sur le fuselage, plus un petit tricolore sur l'aileron arrière. Le D521, donc comme je l'ai dit, est un avion premium qui ne peut pas être acheté au travers du jeu, mais qui peut être uniquement disponible en offre très spéciale à travers l'achat de matériel MSI. C'est une offre nouvelle qui a commencé le 10 mai dernier et qui finira le 30 septembre. Alors, je vais vous linker l'offre spéciale pour avoir cet appareil en description de la vidéo pour que vous puissiez bien voir en quoi elle consiste, mais je vais rapidement faire le tour. Si vous avez acheté un PC portable de modèle G ou CX, donc ce sont des PC portables gamer MSI, ou bien une carte mère de type Z77, donc ce sont des cartes mères aussi pour utiliser des processeurs plutôt puissants pour les PC de jeu, évidemment. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, il est également disponible si vous achetez une carte graphique MSI Nvidia 660, 670 et 680 ou bien ATI 7850, il me semble, des modèles très particuliers, donc là aussi il faudra regarder. Et ça, pour nous les gamers que nous sommes, c'est très important, d'autant plus que je vous rappelle que ROM 2 va sortir au mois de septembre, donc nombre d'entre vous vont probablement changer bientôt de carte graphique. Et pourquoi pas prendre l'une de ces cartes graphiques pour ainsi profiter de ce petit avion premium très rare que vous verrez vraiment rarement pour briller en société sur War Thunder, le D521. J'aime bien les cartes graphiques MSI, j'en suis à ma deuxième. J'avais avant une MSI 560 Ti et maintenant j'ai une MSI 660 Ti. J'aime bien ces modèles déjà parce que les modèles MSI en général sont overclockés, donc ils sont plus puissants que le modèle de base, ce qui est vraiment déjà un bon début. Mais surtout, ils sont très bien ventilés et ça, c'est vraiment un gros point fort pour moi puisque j'habite dans une région dans le sud-ouest qui est une région très chaude. Et forcément, il vaut mieux pour moi que mes cartes graphiques soient bien ventilées, sinon elles claquent et ça m'était d'ailleurs arrivé auparavant. Bon, ça c'était à l'époque où il faisait chaud en France, maintenant on sait plus trop. Mais voilà, donc c'est vraiment uniquement à travers ces offres que vous pouvez avoir cet avion et pas autrement. Vous ne pouvez pas l'acheter à l'intérieur du jeu, donc c'est très important si vous voulez avoir un avion très rare, assez élégant et surtout un avion français, ce qui est chose rare. Il n'y a que deux avions français, le D520 et le D521. C'est le seul moyen de l'avoir. On va maintenant passer sur le côté historique de la présentation, maintenant que j'ai vite fait parler de comment l'avoir. Le côté historique, à la base, le D521 est un avion prototype qui est basé sur le T520. La différence entre les deux avions, c'est que le D521 a un moteur plus puissant. Le D520 a un moteur, je crois, de 890 chevaux, tandis que le D521 a un moteur Rolls-Royce. On se prive de rien, de plus de 1000 chevaux, donc ça le rend beaucoup plus compétitif par rapport aux avions allemands, par exemple au Messerschmitt Bf 109 qui était plus rapide que lui, et pour ses caractéristiques, sinon ce sont les mêmes que le D520. Le D520 est un appareil qui est entré en service vraiment fonctionnel dans l'armée française le 13 mai 1940. Je vous rappelle que les troupes françaises sont entrés en France, ont fait leur percée en France après avoir conquis les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ils sont entrés en France par la percée de Sedan le 12 mai, donc vraiment la veille. Donc c'est un avion qui est entré vraiment dans le feu de l'action directement. Du coup, les équipages français, les pilotes français n'étaient pas vraiment formés sur cet appareil, tandis que les pilotes allemands étaient vraiment bien formés sur les appareils allemands tels que le Bf 109 E3, le modèle Emil. Donc ça a posé problème. Néanmoins, il a eu des très bons états de service, puisqu'il a abattu pas moins de 150 appareils allemands pour deux fois moins ou voire trois fois moins de pertes du côté français. On a une fourchette entre 50 et 80 pertes françaises pour 150 pertes allemandes. Donc ce sont des plutôt bons états de service, sachant l'état difficile du combat, hein. Les pilotes français étaient très bons. Le D520 était un avion très compétitif qui était beaucoup plus maniable que le Messerschmitt allemand, qui était vraiment très bon, un peu moins rapide. Mais comme pour le côté des tanks,
Et le côté, le reste, on avait un très bon armement, on avait des très bons soldats, des très bons équipages. Malheureusement, au niveau des tactiques de guerre, au niveau du commandement, on était complètement dépassé et on s'est fait vraiment rouler dessus. Mais on n'a pas démérité, on s'est bien battu néanmoins. Et cet avion, par la suite, aura été repris par les Allemands. Donc il aura servi dans l'armée allemande et dans les armées alliées aux Allemands, c'est-à-dire les Italiens. Il s'est battu en Italie et s'est battu dans les Balkans également pour la Bulgarie, par exemple. Peut-être la Roumanie également, mais on n'est pas sûr. Et il s'est battu donc jusqu'à la fin de la guerre. Il est ensuite entré en service dans les armées de la France libre. Donc là, on incarne la France libre puisqu'il sert dans l'armée anglaise sur War Thunder. Donc on sert du côté de la France libre. On se bat contre les Allemands. Les caractéristiques de cet avion, c'est un avion qui peut aller à 520 km/h à 5000 mètres. C'est une vitesse théorique. Le D521 ayant un meilleur moteur, il le montre ici, c'est marqué max speed, il peut monter à 534 km/h. Ça reste quand même inférieur au Messerschmitt, je peux vous le dire. Dans les combats, les Messerschmitt en ligne droite me distancent, même en altitude, ils me distancent. Donc c'est vraiment un avion qui va pas pouvoir concurrencer sur la ligne droite les avions allemands, mais qui pourra par contre pas mal les concurrencer dans les combats tournoyants, dans les dogfights, où là il brille vraiment. Pour ainsi dire, je vais être honnête avec vous, de tous les combats dogfight, combats tournoyants que j'ai fait face à des appareils allemands, que ce soit, enfin que ce, surtout les Messerschmitt allemands principalement, les Focke-Wulf c'est un autre détail, mais surtout face au Messerschmitt, jamais un seul Messerschmitt n'a pu échapper en combat tournoyant à mon attaque. J'ai toujours pu lui coller à son train non-stop. Jamais il a pu me distancer, il a pu m'échapper à un seul moment. C'est vraiment impossible, je pense, pour un appareil allemand de s'en sortir dans un dogfight face au D520 qui a une maniabilité vraiment exemplaire en toutes conditions. Donc là, c'est 534 km/h à 6700 mètres d'altitude, sachant qu'on combat jamais à ces altitudes-là, on combat plutôt à 1000, entre 1000 et 2000 mètres pour la plupart des combats, hein, 80% des combats se font dans ces eaux-là. Il a un turn time de 23 secondes, ce qui est pas mal hein, pour un chasseur, mais dans les faits, je pense que c'est quand même un peu plus rapide. Je crois que son modèle de vol n'est pas vraiment terminé pour le moment, donc ça lui bénéficie là-dessus. Son armement, un canon Hispano Suiza 404 de 20 mm. Avec 60 munitions seulement, donc il faut être très très prudent de ce côté-là. C'est un chargeur tambour, donc qui est présent dans le moteur de l'avion. La forme du tambour permet d'épouser la forme du moteur, et donc il tire sur le devant. Je vais vous le montrer. Le canon est ici, hein, sur le nez de l'avion. Donc 60 munitions seulement, ce sera remplacé plus tard par les chargeurs en comment dire en barre, si j'ose dire, les chargeurs en barre, donc dans les ailes qui permettent d'emporter plus de munitions. C'est pas le terme exact, mais je l'ai oublié. Et il a également 4 mitrailleuses de 7,5 Mach 1934 avec 2700 munitions qui font pas mal de dégâts. Je suis assez content en général, j'arrive à faire de bonnes choses avec, mais donc qui permettent un petit peu de continuer le combat une fois qu'on s'est déchargé de ces canons, éventuellement finir l'adversaire qu'on avait déjà pas mal amoché ou abîmer quelques cibles au sol en rentrant à la base. Donc c'est vraiment un avion de combat restreint, c'est-à-dire que vous allez trouver une cible, l'abattre et directement rentrer au vercaille en bataille historique, parce que vous n'aurez pas de quoi maintenir un second combat vraiment long avec un autre chasseur. Voilà pour cet avion. La présentation est terminée. On va maintenant se voir sur un medley en bataille historique. C'est la première fois que je vous présente les batailles historiques dans mes vidéos. Donc un petit medley de différents engagements que j'ai eu contre des avions allemands et italiens pour vous parler plus en profondeur de cet appareil au combat. A tout de suite. C'est parti, nous allons décoller avec le D521 en bataille historique. Nous sommes là pour attaquer Berlin avec une coalition de divers appareils des forces alliées, que ce soit des Anglais, des Américains, des Russes et puis des Français. La preuve en image avec le D521, nous décollons. Le climat est pas forcément à notre avantage. Une dure météo aujourd'hui sur le front allemand, donc il va falloir faire attention. Des appareils peuvent apparaître à tout moment dans les nuages. Je vais rapidement, pendant que je vous montre un petit peu l'appareil
en changeant un petit peu les vues, et qu'un de mes alliés s'est écrasé. Nous allons rapidement parler des détails des batailles historiques comparées au mode arcade. La bataille historique est un mode semi-réaliste, semi-simulation, qui trouve vraiment un bon positionnement, à mon sens, entre l'arcade et le mode full real battle, c'est-à-dire un mode vraiment entièrement réaliste, vu du cockpit, on pouvait apprécier, qui a été bien sûr entièrement modélisé. Donc, le mode historique nous propulse toujours sur des champs de bataille historiques de la Seconde Guerre mondiale qui ont été reproduits, ma foi, de manière assez fidèle. Parfois, c'est assez incroyable. On voit des monuments historiques qui ont été mis sur la map. Il y a vraiment, Gaijin a vraiment un sens du détail très poussé sur les terrains au sol dans ce jeu, dans War Thunder, ce qui est assez étonnant pour un jeu qui se passe dans les airs. Ils ont vraiment poussé les détails et ça, c'est vraiment plaisant de se retrouver dans un environnement qu'on a pu voir pendant la Seconde Guerre mondiale des pilotes. Donc là, on a Berlin, mais il y a également le front du Pacifique. En Angleterre, on le verra plus tard. Je monte vers les nuages à haute altitude. La différence, ah, un de mes fans m'a reconnu. La différence, donc, je l'ai dit, c'est un mode semi-réaliste. Il y a donc un carburant limité. Donc ça a été également ajouté en arcade récemment, mais donc carburant limité. Donc j'ai 30 minutes de carburant avec le D521, donc il faut que je fasse attention. En général, il y a le temps, mais bon, ça va. Il n'y a pas de réticule, enfin il y a le réticule que vous voyez, mais il n'y a pas le réticule d'aide à la visée. Vous savez, il y a toujours un petit rond qui apparaît en avant de l'avion pour vous permettre de savoir à quel endroit tirer pour être sûr de toucher l'avion. Ce réticule n'est pas présent, l'aide à la visée n'est pas présente, donc il faut estimer vous-même à quel endroit tirer pour être sûr que ça touche l'avion. Donc ça, je trouve ça assez intéressant comme ajout. Il y a les munitions limitées. Donc je l'ai dit, j'ai 60 munitions de canon et j'ai 2700 munitions de mitraillette. Donc il faut que je sois vraiment très prudent, que je consomme mes munitions avec une grande prudence, que je tire par rafale de 2 ou 3 coups à chaque fois, en étant vraiment sûr de pouvoir toucher ma cible, sinon je vais gaspiller des munitions. Et quand on a 60 munitions de canon, il vaut mieux être très prudent à ce niveau-là. Autre chose, la manœuvrabilité de l'appareil est beaucoup plus réaliste. Donc vous pouvez pas faire des manœuvres assez folles, quoique quand vous jouez clavier-souris, il y a l'instructeur quand même qui vous aide à piloter votre avion. Mais les combats tournoyants, par exemple, seront beaucoup plus lents. Le moindre coup que vous prendrez dans l'aile va carrément faire agiter votre avion de gauche à droite. Donc vous pouvez perdre le contrôle de votre avion au moindre coup que vous prenez. D'ailleurs, à ce côté-là, souvent on prend des coups assez critiques. Dans le mode arcade, on a l'impression que ça n'a pas vraiment d'effet. Et bien là, en mode historique, un coup critique peut avoir un effet quasiment immédiat. Si vous brisez un aileron d'un avion adverse, alors qu'il peut parfois continuer assez longtemps en mode arcade, là, il pourra peut-être assez souvent perdre le contrôle de son avion, partir en vrille et se crasher. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très plaisant à voir. On sent vraiment qu'on est à l'intérieur du combat. Là aussi, autre chose, les champs de bataille sont très grands, vous le voyez, je ne suis pas encore arrivé sur le terrain, pourtant ça fait longtemps que je suis en train de voler. J'approche tout doucement. On a une seule vie, donc on prend un avion, et on a vraiment une seule vie, alors que sur le mode arcade, on peut respawner avec d'autres avions. Là, on a une seule vie, on est vraiment engagé dans cet avion, et c'est pour ça que je trouve que c'est un mode qui est plus approprié pour vous, pour ce concept de présentation des avions, puisque on va voler avec cet avion tout au long de la bataille. Une fois qu'on a été abattu, c'est fini. La partie est finie pour nous, on n'a plus qu'à s'en aller. Et donc du coup, on est vraiment c'est plus immersif, je trouve. J'aime beaucoup le fait que l'on puisse piloter plusieurs avions en mode arcade. Je trouve que c'est un grand ajout par rapport à World of Tanks, par exemple. Mais j'aime beaucoup également ce mode historique qui rajoute pas mal de tension et dans lequel il faut être très prudent et minutieux. Autre chose également, quand on abat un avion, on fait beaucoup plus de crédits et d'expérience. Donc c'est vraiment le mode parfait pour upgrader votre avion. Vous savez que il faut un certain nombre d'expériences pour pouvoir débloquer les munitions suivantes, les nouveaux types de munitions dans un avion. Donc quand vous achetez un nouvel avion, je vous conseille d'aller en mode historique parce que vous allez gagner peut-être 10, 15 000 d'expérience d'un seul coup sur votre avion, alors qu'en bataille arcade vous en gagnerez peut-être 2-3 000. Donc c'est vraiment très avantageux à ce niveau-là. Vous gagnez beaucoup plus d'argent, mais en contrepartie, quand votre avion se fait abattre, ça coûte, je crois, 2 ou 3 fois plus de crédit pour le réparer. Donc essayez de sortir un avion qui, en général, avec lequel vous savez que vous vous en sortirez assez bien.
mais qui coûte pas trop cher à réparer également. Donc là j'ai trouvé un Focke-Wulf allemand, un chasseur allemand de dernière génération, mais quelle surprise, venu de nulle part, des nuages, je l'avais pas vu, un BF-109E3, donc un Messerschmitt de première génération du début de la guerre, qui est sur mes arrières. Directement, j'engage un looping, attention, je suis au-dessus de la DCA, de la défense anti-aérienne allemande, donc là c'est pas vraiment le meilleur endroit pour déclencher un combat tournoyant. Néanmoins, je tourne sur moi-même, j'ai perdu à cause des jets, voilà, la présence du BF-109, et comme je vous l'ai dit, en dogfight, en tournant sur moi-même, alors qu'il était derrière moi, j'arrive à être derrière lui parce que je sais que je peux toujours tourner plus vite, et le Focke-Wulf a failli me rentrer dedans, c'était moins une. Et là on voit, hein, j'ai pas le réticule, je tire au jugé par petite salve de 2-3 coups pour tâter le terrain. On peut tirer également séparément mitrailleuse d'un côté et canon de l'autre pour tâter le terrain à la mitrailleuse et ensuite faire des coups sûrs au canon quand l'occasion parfaite se présente, mais je n'ai pas encore configuré cela, je le ferai plus tard quand j'aurai un joystick, je vais m'en acheter un bientôt. J'engage hein, le combat tournoyant, mais il y a également l'adversaire qui est derrière moi qui me met quelques coups et qui m'a abîmé le fuselage. Néanmoins, je sens que je peux avoir ce BF-109E3. Il n'arrive pas vraiment pas à se désengager. Hein. Je le suis. Quels que soient les mouvements qu'il fait, je suis toujours dans une bonne situation et je fais un coup critique dans ses ailes. Je l'abîme dangereusement. Et là, il est quasiment à ma merci. Je suis derrière lui. Je lui fais un dégât dans la queue de son appareil. Il a mis des fumigènes à la fin. Je crois que c'est qu'il a mis ses fumigènes pour me dire bah, bravo, tu m'as eu, félicitations, j'accepte ma défaite. Je pense, enfin c'est comme ça en tout cas que je l'interprète. Et si c'est vraiment le cas, bien, c'est beaucoup de fair play de sa part. En tout cas, il s'est bien battu, en tout cas il a essayé de s'en sortir, mais il a raté. Nouvel engagement, nous sommes maintenant en Angleterre, en train de défendre l'Angleterre contre les forces allemandes. J'ai repéré un MC-202, c'est un chasseur italien qui est entré en service fin 41, début 42, qui a seulement deux mitrailleuses et surtout qui n'est pas très blindé, qui est une cible assez facile pour moi. Quand vous êtes dans ce D521, vous avez beaucoup d'agilité, donc il faut toujours trouver des appareils qui sont un peu plus lents que vous, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez engager un dogfight à votre avantage, puisque le dogfight c'est vraiment là où le D521 va briller au combat. Et surtout, trouver un appareil qui n'est pas très résistant. Donc, ne pas attaquer de bombardiers, ne pas attaquer de chasseurs américains, parce qu'ils sont en général très blindés à l'arrière. Par contre, les chasseurs italiens, les BF-109, les chasseurs japonais sont des très bonnes cibles pour le D521, car ils n'ont pas beaucoup de blindage. Ce qui fait que le fait que vous n'ayez que 60 munitions de canon n'est pas un gros désavantage. Et là, c'est la victoire garantie, hein. Vous l'avez bien vu, le MC-202, il a eu aucune chance. Apparemment, il m'a pas vu arriver. Je l'ai poursuivi, il a tenté de ralentir pour que je lui passe devant. Mais la manœuvrabilité de cet appareil est vraiment extraordinaire. C'est quasiment impossible pour lui de s'en sortir, il n'y a aucune manœuvre à faire. On le verra par la suite dans un nouvel engagement où là aussi je vais avoir un gros dogfight. L'avion n'arrivera pas à s'en sortir non plus. Je descends, alors mon équipage n'était pas encore très bien formé, c'est un nouvel équipage que j'avais mis sur ce D521. Du coup il n'avait pas beaucoup de points en jet tolérance, ce qui fait que je prends pas mal de jets, hein. J'ai un gros écran noir constamment quand je tourne à grosse vitesse, ça c'est un gros problème, mais mon équipage est en cours d'amélioration. Là aussi, hop, j'arrive derrière un nouveau B109 E1000. Ça, le BF109 E1000, c'est vraiment la cible parfaite. En plus d'être une cible vraiment historique, puisque ce sont les BF-109 E1000 qui ont combattu pendant la bataille de France en 1940, très certainement de nombreuses fois contre les D-520. Et là, vous voyez, il ralentit, hein, il ralentit, il tournoie, il essaye de ne pas faire une cible facile pour moi. Hein. Tournoyer à gauche, à droite, en bataille historique, c'est un bon moyen d'échapper aux balles, puisque c'est très dur de viser, et comme ça il fait gaspiller mes balles. Et c'est ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. J'ai encore raté une nouvelle salve. Celle-là, elle est bonne. Il n'arrive pas, hein. Il n'arrive pas à m'échapper. Il prend des coups et là, qu'est-ce qui se passe? Un allié en F4F, un chasseur américain, me rentre dans l'aile. Alors qu'il voyait très bien que j'étais là. Ça faisait à peu près une minute que j'étais en train de suivre ce BF-109. Ça, c'est vraiment désagréable. Mais j'ai survécu, par contre je perds beaucoup en manœuvrabilité. Et là ça a été assez gênant, j'ai cru que j'allais
que j'allais pas réussir à m'en sortir. Néanmoins, j'ai pas mal criblé les ailes du BF-109. On le voit, il a pas mal de trous dans ses ailes. Du coup, lui aussi est vraiment en mauvaise posture. C'est un petit peu une guerre entre deux avions très handicapés, l'un et l'autre, au niveau de leur manœuvrabilité. Il n'arrive plus à bouger, là il est fini, tous ses ailerons je pense sont partis en miettes. La ligne droite est la seule chose qu'il peut arriver à faire. Je lui mets un coup critique dans le fuselage, en général en historical, c'est la fin. Par contre, un de mes alliés essaye de me voler le kill, et ça me plaît pas trop. Du coup, j'y retourne, mais c'est fini, j'ai fait trop de gros dégâts sur cet avion, et je l'abats. Voilà pour cet engagement. Vraiment, il avait aucune chance. Il pouvait pas s'en sortir. Le BA-109 est un avion à énergie. C'est un avion qui doit attaquer en piqué, tomber sur sa cible, lui faire une rafale, en général, de préférence, dans le cockpit, pour la one-shotter. Quand on arrive au-dessus, c'est assez facile. Et ensuite, remonter. Et ne jamais rester en dogfight. Rester en dogfight pour un BF-109, c'est la mort assurée. Cet avion est très mauvais dans cet exercice. Nouvelle cible pour moi, un HE-112BO. C'est un chasseur vraiment de très bas niveau allemand, je crois que c'est un niveau 2, 3, 4, par là, dans ces eaux-là. Je n'ai jamais joué avec cet avion-là car il a été introduit dans le jeu quand j'étais déjà de niveau très supérieur. Du coup, je ne sais pas vraiment de quoi il était capable. Mais je l'engage en dogfight, et là aussi, il n'arrive pas à se dépatouiller. Par contre, il arrive très bien à ralentir, vraiment, et ça m'a posé un gros problème dans cet engagement. Vous le voyez, je dois faire des gros virages à gauche et à droite, parce que ma vitesse m'emporte trop loin, au point d'arriver carrément devant lui. Donc, belle manœuvre de sa part, qu'est-ce que je fais? Au lieu de tenter une manœuvre tournoyante horizontale, je fais une manœuvre verticale. C'est ce que je vous recommande de faire, dès que vous avez comme ça un avion qui est trop près de vous. De tenter un dogfight vertical, donc vous plongez et vous remontez, et vous allez en général remonter dessous lui, ce qui va vous permettre d'avoir pas mal de bons dégâts. Mais il est très fort ce pilote, à mon avis. Il a un petit avion, un avion pour les débutants, mais je pense que c'est pas un joueur débutant, je pense que c'est un joueur qui a pas mal d'expérience parce qu'il a fait des bonnes choses. Là il tente de piquer pour me forcer à prendre de l'accélération et tenter éventuellement de remonter, parce que comme c'est un avion allemand, en piqué il va pouvoir prendre pas mal de vitesse et m'empêcher de le suivre. Mais comme j'ai un moteur supérieur, je vous rappelle que le D521 a un moteur plus rapide, enfin plus puissant que le D520, ce qui me permet de monter à une bonne vitesse, il n'arrive pas à me distancer même en piqué. Et là à mon avis il perd un peu espoir. Je crois qu'il doit sentir que pour lui c'est la fin, qu'il est tombé sur un pilote et sur un avion qui sont vraiment trop supérieur à lui dans ce combat. Il tente des choses, hein, il abandonne pas. Moi j'ai gaspillé mon canon. Je lui ai fait un coup critique. Et là je sens qu'il va se cracher. Je sens que c'est bientôt la fin. Mais je prends des coups, je sens que quelque chose arrive derrière moi. J'essaye quand même de maintenir le combat tout en tournoyant pour pas me faire avoir. Parce que je sais que là je peux le finir. Et cet avion, bon Dieu, qu'est-ce qu'il est résistant. Coup dans les volets de ses ailes. Donc là il perd toute manœuvrabilité. Un de mes alliés est arrivé et il a terminé à ma place. Donc là ça m'a un petit peu vexé, parce que je savais que ce kill, il m'appartenait, il était vraiment pour moi, je le méritais. Et il me l'a pris. Du coup j'essaie de me venger et de piquer le BF-109 F4. Malheureusement, là aussi il a été abattu juste à la fin. Il ne reste plus aux adversaires maintenant qu'un Junker 88, donc un bombardier allemand, mais nous sommes trois sur lui. Je me fais pas d'illusions, il a pris un coup critique et maintenant il est terminé, il s'est fait abattre. C'est la fin de la partie. Donc voilà, une bonne performance de la part de ce D521. L'armée française ne s'est pas laissée faire dans cette partie, et comme je vous l'ai dit, quand il ne vous reste plus que les munitions de mitraillette, en général, la meilleure chose à faire, c'est de trouver quelques petits canons anti-aériens qui se planquent ici et là, et les finir, parce que ça rapporte quelques crédits en plus, et ce sont des cibles assez faciles. Donc je fonce sur un canon anti-aérien, mais c'est maintenant la fin de la partie, je n'aurai pas le temps de l'abattre. Et voilà. De retour au garage, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu, j'espère que le D521 vous aura conquis. En tout cas c'est vraiment un bel appareil, dommage que souvent
On tombe face à des Focke-Wulf, donc des chasseurs de dernière génération allemands, qui sont vraiment pour le coup très forts avec des armements très puissants. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire face à ces avions-là parce qu'ils piquent. Enfin, en général, ce sont des bons pilotes qui les jouent. Donc ils piquent, ils me tombent dessus, ils me finissent et ils remontent. Et moi, je suis un petit peu dans un désarroi total, mais en tout cas, c'est le prédateur ultime pour les BF-109 E3. Je pense que très bientôt, les BF-109 E3 vont redouter la simple évocation des termes D520 ou D521. Voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!